Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, merci pour votre attention. Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un texte sur plusieurs feuilles de Microsoft Excel. Par exemple, ici, je vais écrire texte, bien titre d'un tableau. Très bien. Et si je passe à l'autre feuille, je vais copier et coller cette feuille-là. Mais supposons par exemple que vous avez 20 feuilles et vous voulez ajouter le même texte dans toutes les feuilles. Il y a une astuce peu connue. On clique sur n'importe quelle feuille en bas, je fais un clic droit et puis je passe à sélectionner toutes les feuilles. Maintenant, toutes les feuilles sont sélectionnées. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va écrire merci mes abonnés. Vous êtes super cool. Merci. Voilà, j'ai ce texte-là. Et si je passe à l'autre feuille, je vais trouver cette cellule-là. Et puis ici, ici, ici. Autrement dit, tout ce texte-là, il est écrit dans plusieurs feuilles simultanément. Maintenant, si nous voulons juste avoir quelques feuilles. Donc si je veux par exemple juste la feuille 1 et la feuille 2, et la même chose pour effacer. Je sélectionne, clique sur la feuille 1, puis la feuille 2. Et je clique sur la cellule qui contient le texte et j'efface. Voilà. Maintenant, je passe à feuille 1, elle est vide. Feuille 2, elle est vide. Si je veux écrire le même texte sur juste quelques feuilles et non toutes les feuilles, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ces feuilles-là. Donc, je clique sur le nom de la feuille ici. Puis, avec la touche CTRL de PC, je clique sur l'autre feuille. Maintenant, les deux feuilles sont sélectionnées. Donc ici, toute ma gratitude. Toute ma gratitude. À vous, mes chers abonnés. On va voir le même texte, il est écrit sur les deux feuilles sélectionnées. Donc voilà comment écrire le même texte dans plusieurs feuilles. Imaginons par exemple que vous voulez créer ici bulletin, voilà, ou bien facture, dans la feuille 1 jusqu'à feuille 10. Je sélectionne avec la souris et la touche CTRL et j'écris facture. Bien sûr, je sélectionne le texte ou bien la cellule, je peux mettre en forme. Voilà, ici, et tout ce que je fais dans une cellule, elle est immédiatement reflétée dans l'autre cellule. Donc, maintenant, nous allons voir les autres cellules. Déjà, une astuce, quand les feuilles sélectionnées sont blanches, pour les désélectionner, vous faites un clic droit, puis dissocier les feuilles. Maintenant, voilà la feuille 1, la feuille 2, là, le texte, la feuille 3, c'est toujours dans la cellule B17, la feuille 4, voilà, cellule B17. Donc, imaginez combien vous allez gagner en utilisant cette méthode-là. Abonnez-vous pour plus. Merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.